Bonjour, je m'appelle Alexis et j'ai rejoint PSB, Paris School of Business, en première année où j'ai effectué un master en entrepreneuriat. C'est là que j'ai eu la chance de rencontrer mon associé Guillaume, avec qui on a lancé notre entreprise Live Escape Box. C'est vrai qu'on a eu un accompagnement grâce à PSB qui nous a en tout cas grandement aidé pour monter notre projet. L'entrepreneuriat au sein de Paris School of Business s'appuie sur la recherche, l'enseignement et la valorisation. Au niveau de la recherche, Paris School of Business organise des conférences internationales et nationales. Les professeurs proposent un certain nombre de MOOC et nous accueillons également des ateliers de recherche en été. L'entrepreneuriat PSB s'oriente autour du master entrepreneuriat, donc un master en 2 ans, temps plein sur le master 1 et en alternance sur le master 2. Donc nous avons une trentaine d'étudiants sur chacune des deux classes, un master 1, master 2, où ils apprennent à découvrir l'écosystème de l'entrepreneuriat et à bien sûr monter des projets. Pour ce qui est de l'incubateur, nous prenons des projets plutôt en gestation, en émergence, en phase d'idéation. Et l'idée étant de les faire travailler sur une sorte de période de pré-incubation pour structurer leur projet avant d'aller un peu plus loin. Donc à la fin de nos études, on a eu besoin de locaux pour continuer l'aventure avec Live Escape Box. Et c'est là qu'on a découvert le projet Station F, qui est en fait le plus grand incubateur de start-up du monde. Et pour intégrer Station F, on est passé par le programme Pépite étudiants-entrepreneurs pour réussir à intégrer une des 20 places des start-up d'étudiants-entrepreneurs ici à Station F. J'ai créé plusieurs sociétés et récemment, en janvier, j'ai créé une nouvelle société, cette fois d'édition de jeux mobiles. Winit, c'est une application mobile qui permet en fait à n'importe qui de regarder tous les restos qui sont autour de nous. Mon projet, il consiste à faire de la création de compositions florales haut gamme. Je m'appelle James Cohen, j'ai fondé avec Raphaël Tapiro, mon associé, le groupe Dantego. Donc, je m'appelle Benjamin Cohen, j'ai 28 ans, j'ai monté Plarion, c'est une société d'édition et de développement de jeux vidéo sur mobile.